Batman. Je pense pas que je vais rester, je me sens comme Batman. Rien, c'était une fille, c'est pas comme si t'as perdu ton char. Anyway, c'est toi qui l'as laissé. Oui, tu me liens, c'est elle qui m'a dompé. Ouais, ben si tu voulais pas t'engager. T'es-tu de son bord? C'est une bonne chose. Anyway, qui a besoin de tout ça? Puis t'es dans la même maison, dormir dans le même lit, endurer ses opinions. Ah, j'ai quelque chose à dire. Juste va me faire des muffins. Je devrais être avec elle en ce moment. Je devrais être comme... Juste... Pas écouter ça, mais te coller sur elle. Oh, man, juste chill. Regarde, ce soir, faut que tu baisses. Une fille. T'es-tu malade, man? Es-tu fou? Je me sens comme un déchet en ce moment. Non, man, regarde. Si tu m'écoutes, avant la fin de la soirée, tu vas avoir baisé avec... elle. Tu niaises. Non, man. En tout respect pour moi-même, je suis zéro dans sa ligue. D'où? Cette fille-là a l'air anorexique. Donc insécure, donc père absent, donc fille facile. Puis si elle est dans ce club-là, c'est parce qu'elle n'a pas de valeur. Et nous autres? Pas que nous autres. Comment? Va y parler. Je sais pas, man. Pour dire quoi? Allô, je m'appelle Simon. Ça fait 7 jours que je pleure en boule dans ma douche. Ouais, c'est une joke. Anyway, c'est pas important, les mots. Je sois confiant. Ça va marcher, c'est sûr. Come on, big guy. Allô? Quoi? Oh, belle ta robe. Ouais, pis? Pis, où est-ce que tu l'as pris? C'est quoi, t'en veux-tu une? Non, j'en peux pas. Excuse-moi, je viens juste de me séparer, pis je sais plus trop comment ça marche, les affaires. Veux-tu que je te laisse mon numéro? Pour faire ça, je te laisse moi. Eh oui, je pense que le monde va encore ça. Je veux juste. Pardon. Salut. Excuse, je veux juste prendre ça. T'as un stylo juste. Ouais. Tu prends ton stylo. Mm-hmm. Moi, c'est Simon en passant. Là, avec ça, tu peux manger n'importe quel. Fait que voilà, c'est mon numéro. Puis en passant, c'est pas un faux. J'espère. Man, c'était épouvantable. Garbage. Chier, man. Je te l'ai dit, je sais pas quoi dire. Je te l'ai dit, c'est pas important, les mots. Mais qu'est-ce que je posais faire? Faire un spectacle de marionnettes du mime? C'est moi, Sam, ça fait 7 ans que je suis plus dans la game, là. À un moment donné, je sais plus ce qu'ils se disent, le monde. Simon, tout est dans la confiance. OK, good. Just watch. Regarde-moi, OK? Salut. Allô? Tu veux-tu venir chez moi pour que je te montre quelque chose? Ah oui? Comme quoi? Ma crème. Se pleure trop facilement, man. Ouais, ben c'est sûr, quand ils se font presque agresser, ils sont un peu plus sensibles. Ouais. Oh, oh, man! Je suis désolé, je m'excuse pour vrai. Fuck! Je m'excuse. Man, jusqu'à date, meilleure sortie à la vie. Hey, tu as déjà pensé à prendre des relaxants? Allô, maman? Oui. Est-ce que tu peux me préparer une nouvelle chemise? Ouais, j'ai eu un petit accident. Ouais, je m'en viens. OK. All right, bye. Es-tu retourné vivre chez tes parents? Non, mais mes choses sont encore là. Quoi, tes choses? Ton linge? Mon linge, mes meubles, ma bouffe, tout. Mais tu m'as pas dit que tu partais, le condo que t'as vu il y a un mois. Je sais pas, mais le marché pas stable, les taux d'intérêt, la mafia. Oh, mais leur as-tu dit que tu partais au moins? À qui? La mafia. Tes parents, ils sont sensibles, man. T'as 32 ans, puis t'es pas capable de dire à tes parents que tu veux partir de chez vous. Tiens, à un moment donné, je veux pas. Mais ça commence à être malsain, ton affaire. OK, toi, tu peux pas comprendre. Vous autres, les Québécois, quand vos parents vieillissent, vous les mettez en stockage. Vous autres, on s'en occupe. OK, je veux bien, là, mais il y a une différence entre s'occuper de ses parents puis pourrir dans le salon. OK, whatever. Je vais leur dire ce soir. OK?
êtes so dirty. I know. Simon, je vais vous préparer à souper. Oh non, maman, on n'a pas le temps. My son. Hey, Dad. How are you doing? Good, you? Good. Come, guys. I want to show you something. Come. Oh, man. $0.49 a dozen. Dad, we're never going to eat all of this. And you're too gal. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous annoncer. What is it, my son? You're so serious. Oui, c'est sérieux. Simon a laissé Emily. Quoi? Mais Simon, voyons, pourquoi? Ah, ben voyons, en fait, c'est pas moi qui l'ai laissé, c'est elle qui a fini ça. Ouais, ben si tu voulais pas t'engager. T'es un idiot. He'll never be able to replace her. Go back and get her now, before it's too late. Mais ben, c'est pas ça. Emily was, I don't have the words. Elle était dans une autre ligue, c'est ça que tu veux dire, maman? I don't know that expression. Ah, ça veut dire qu'elle était supérieure à Simon comme meilleure que lui? Simon, je t'adore, mais t'avais visé haut. Tu n'aurais pas cette chance deux fois. Mais là, je suis pas un pichou non plus. Je suis d'accord avec Simon. You did the right thing. That girl was a prostitute. What did you say? He left her because she cheated on him. No. Didn't she cheat on you with a hockey player? No. A rich man? No. Un noir, a black guy. Dad, no! It would have happened anyway. That girl could have had anybody she wanted. Simone was just a fling. No, she was not like that. She had compassion. Not enough to sacrifice her life. OK, elle était pas si hot que ça. Honnêtement, elle était vraiment ordinaire. Hé, hey, moi, je vais à la salle de bain. OK, seriously, do you guys want him to commit suicide? What the hell? Go hide the knives. You know why you can't find anyone, my son? No. Because you're too nice. You're an angel. And the women walk all over you. That's it. C'est la fille. Quelle fille? La fille au bar. No way. Who is this whore? Allô, Simon. Désolé d'avoir agi comme une bitch tantôt. Je suis avec une amie. Veux-tu venir prendre un verre avec nous? Mylène. Mylène? T'es bien plus belle qu'une Mylène. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai répondu? Je t'ai répondu? Mylène. Sounds like a cow. Allô, allô? J'en ai un ami. Allô? Sam? Mylène? Très beau nom, ça te va très bien. Mm-hmm. Puis toi, comment ça t'appelle? Suzy. Wow, très beau nom, les filles. Très classe, ça fait très Monaco, Luxembourg, Joliette. C'est supposé être une joke, ça? Mon ami fait des jokes qui ont droit à des attaques personnelles. Ouais, on vous offre à boire? Non, merci. Je pense qu'il y a un spécial sur les couchettes de bière. Wow, deux vraies princesses. Tu m'as texté? Je pensais tellement que je m'étais planté tantôt. Oh, ouais, tu t'es planté. Mais c'est Suzy qui a pris mon sel puis qui t'a texté. Mais le malaise, je... Elle a bien fait. Je suis un peu dure avec les gars depuis ma séparation. T'es séparée, toi aussi? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que t'es séparée puis tu trouves ça encore rough. Mais c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui ça clique. Excuse-moi, je pense... Faut que je prenne ça. Je suis désolée, je pense pour le travail. Allô? Je te dérange-tu? Amélie? Simon, excuse-moi, mais je me sens embarrée dehors, puis là, j'ai appelé le proprio, il est pas là, ma voisine non plus, puis il y a un itinéraire qui m'a prêté du change, et je laisse me regarder pendant que je t'appelle. Attends une minute.
OK, tu m'as assez vu, là? Ah ouais, attends, attends. Tu peux-tu venir me débarrer, s'il te plaît? C'est parce que t'es le seul qui a mes clés. Hey, bro, tout est correct? Faut que j'aille chez Amélie. Oh, what the fuck, man? Elle est pognée dehors, man. 20-30 minutes max, puis je suis revenu. Tu sais qu'elle te manipule, right? Elle sait que t'es avec tes filles en ce moment. Regarde, faut que j'y aille, sinon on va commencer à faire des pipes choses itinérables, man. Prends mon char. Fais attention. Moi, je m'occupe des filles. I got this. All right. Dans la vie, il y a 5 sortes de filles. T'as les filles que tu textes, les filles que tu Facebook, les filles que tu tweets, les filles que t'appelles, puis les filles que tu rappelles. Vous autres, vous êtes des filles que je tweete. C'est une joke. Je vous Facebook. Merci. Excuse-moi. Je réalise comment c'est pas, je te demandais ça. Ça va, ça. C'est... Oui. Ouais. Je suis contente de te voir. Ben, moi aussi, je... mais comment t'as fait ça? Ben, il y avait une araignée. Je sais, c'est plus fort que moi. J'ai paniqué, là. Je suis venue sur le balcon, puis la porte a fermé. Il y a eu comme un coup de vent, puis... Peux-tu aller voir si elle est encore là? Après, je ne demande plus rien, je te jure. S'il te plaît. Ben oui. OK. Vas-y. T'habites encore chez tes parents? Appart. Puis toi? Je suis partie vivre chez mon chum, j'avais 17 ans. Est-ce que vos parents vous parlent encore ou est-ce qu'ils sont fâchés parce que vous les avez abandonnés? Quand je suis partie, mon père était tellement content. Il a transformé ma chambre en salle de trophée de ballon de balai. OK. Assez parlé de parents. Maintenant, juste pour tester, mettez mes doigts dans votre bouche. T'es fin. C'est correct. T'as rappelé quand t'avais oublié les clés de l'auto à Noël? Puis on était pas allé voir mon père à Québec. Ouais, ben je me souviens très bien de pas avoir vu ton père à Noël. Ouais, on était restés juste nous deux. On n'avait rien à manger, tout était fermé. Non, quoi, on a mangé quoi? Je pense des biscuits pendant 3 jours. My God. C'était mon plus beau Noël. Ouais, moi aussi. Tu sais, sinon, c'est normal que je vais avancer puis que. Hey, on est vraiment pas obligé de parler de ça. OK. Ouais. Bon, fait que, hey, où ton araignée? Oh, oui. Je t'affronte ça, là. Tu l'as tué? Ouais, elle est morte, là. T'es bien bête. Amélie, nous, on est plus ensemble. Fait que on s'appelle plus, OK? Fait que tu me sers patience. Simon? Simon? Es-tu bipolaire? Simon? Simon? Non. Hey, excuse-moi, j'ai graffiné ton champ. Oh, man! Mylène est partie. Les filles québécoises pleurent trop facilement, man. Bien sûr. Elle était fatiguée, t'arrivais pas. Ouais, regarde. Hey, il faut que j'y aille. Bye. Hey, excuse-moi. Hey, bro, ça va? You're right? J'ai trouvé un condom dans la chambre d'Amélie. Oh, man. Ça fait même pas une semaine qu'on est séparés. Tu sais quoi, ça prouve ma théorie que ce soir, faut que tu baisses. Oh, sérieusement, j'ai pas le coup, man. Non, man, on va trouver quelqu'un. Ça me tente pas.
Regarde, elle. Non. Tu la trouves cute, oui ou non? Je sais pas. Tu la trouves cute, oui je ou non? Je sais pas, man. Regarde, oui ou non, tu la trouves cute? Oui, mais... Hey, mademoiselle! Mademoiselle! J'aimerais ça vous présenter mon ami. Je la connais pas. Hey, mademoiselle! Come on, mademoiselle! Hey, c'est pas pour du viol! As-tu dit c'est pas pour du viol? Quoi? Tu trouves drôle, Chris d'épée? Non, hey, je voulais juste pas faire peur. Eh bien, c'est un échec. Man, je voulais juste te présenter mon ami. Ton ami devrait pas se fier sur toi pour se faire présenter des filles. Hey, relax, OK? Moi, j'ai été gentil. Les gars avec des gros charquetaines, là, ça m'intéresse pas. OK, là, t'as traversé la ligne, OK? Moi, je voulais juste te rassurer que tout était cool et consentant. Cool et consentant. Ouais. Cool et consentant. Ouais. Hey, mais t'es pas bien, toi, dans ta tête, hein? Ouais. Ça se fait pas accoster une fille sur le bord de la rue puis parler de viol. Qu'est-ce que ça veut dire, accoster? Glenn? Excuse-moi pour tantôt, j'ai comme eu une urgence, puis... J'ai croisé mon ex tantôt. Ah, c'est pas pour ça. Ça tente-tu de venir prendre un verre chez moi? J'ai pas envie d'être seule en ce moment. Hey, on t'a pas appris à vivre, toi? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se fait pas accoster une fille sur le bord de la rue puis parler de viol. Je connais pas ce mot-là. Tu connais pas ce mot-là? T'es un gros cave. Hey, hey, un gros cave. Excusez-moi. Attends une seconde. Et moi, je vais y aller. Ah, OK, cool. Hey, Simon, laisse-moi te présenter. Hey, c'est quoi ton fucking nom encore? C'est pas de tes calices d'affaires. OK, c'est Mylène, en fait. Je m'en prends la vache. Oh shit, that's great, ouais, bro. Conti, tu sais quoi le problème avec les caves comme toi? Quoi? Tu te penses bien big, là, mais t'as le cerveau d'un enfant de 12 ans. Okay. Genre que tu fais ton macho dans ton char, mais t'as pas une scène à la banque. Ça, c'est ton seul habit propre, tu dois encore habiter chez tes parents. Crise de loser. Hey, attends! Es-tu fâché contre moi? Fais-tu quelque chose à boire? Une bière ou j'ai du rosé? Ah, ben bière, c'est bon. En passant, je fais jamais ça. Hein. Quoi ça? Inviter un gars que tu connais pas à 1h30 du matin? Non. Ça. Quoi? Ça te tente pas? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Ça fait 7 ans que j'ai pas embrassé une autre fille que mon ex. T'aimes pas ça? Non. C'est vraiment hot. Salle de bain. 2 minutes. Juste 2 minutes, je reviens. OK. Mais ça sent bon. Vraiment pas long. Un nouveau message. Simon, la fille de mon amie Josiane, je t'en ai déjà parlé, elle vient d'avoir 14 ans, puis elle se demandait comment ça marche un condom. Fait que j'y ai montré. Tu penses vraiment que je ramènerais un gars chez nous une semaine après 7 ans de relation? Tu sais, c'est dur pour moi aussi. Another wicket by Harpardon Singh, and the Indian team has finally found a defensive rhythm in this match. Excellent fielding by Captain Rahul Dravid and the rest of the Indian team. And Pakistan. Hey. Hello, my son. What's up? Are you hungry? Can I get you something to eat? Yes, but I need to speak to you first. Mama, Papa. Simon a scratché ma voiture. Ah. Est-ce que je peux regarder la télévision avec vous? Hey, man.
Ça va? Ouais. Comment ça a été avec Mylène? Amélie m'a appelé. Oh, man. Finalement, c'était pas un gars, le condom. C'était une fille? Je sais pas, mais je regarde trop de porno. Hey, Sam, juste dire merci pour ta soirée. C'était vraiment cool. En tout cas, j'espère qu'on va en passer d'autres de même, parce que je sais que j'ai peut-être été un petit peu lourd, mettons. Hey, d'autres soirées. Bro, il est même pas 2 heures. La soirée commence. Can you try set me free? I'm falling out of love like a leaf from a tree. I can see the sun. Je te parle, c'est fucking sérieux. Et c'est quand, ça va? Non. Mais quand j'arrive, je suis au coin de la rue. Yeah, c'est trop long. Dis-moi-les tout de suite. Je suis en amour.